Salut les amis, c'est Sourino53, bienvenue sur Farming Simulator 19 pour une nouvelle présentation de MapWeb Peterville qui est sortie il y a quelques jours déjà, mais je vais vous la présenter, c'est parti. Alors voilà, les amis, on se trouve sur le PDA de Peterville. Bien sûr, je pense que c'est Peter qui a créé cette carte là, sinon ce serait Sourinoville. Voilà, alors il y a une quarantaine de champs, hein, 44 à peu près. Alors on se retrouve dans la ferme qui se trouve ici. On va aller voir ça. Alors, belle petite map. Déjà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vu. Alors là, vous avez la sélection de vaches. Ouais. Qui est assez sympa. Qui est bien réalisme. Vous avez même une vieille bétonnière. Le vieux paysan avec la vieille bétonnière. Ouais, j'aime bien. Déjà, ça me plaît. Alors ça, c'est la porcherie, je pense. Ok, les cochons. Ouais, on pourra faire une petite série. Ah oui. Ça, c'est joli. Ah, ça, c'est la salle des traites. Ah oui, c'est pas mal. Alors je pense pas que c'est pour les cochons, hein, moi je me gourre. Là, on a quoi? On peut même monter là-haut. Ouais, les cuves bien rangées, ouais. Alors c'est que là on avait le poulailler, j'ai vu le poulailler là tout de suite. Le poulailler. Ah, le poulailler se trouve par là. Ce que j'ai vu. Voilà, ici on a un champ. Ah, le poulailler doit se trouver ici. Alors, c'est bizarre, je suis sur le symbole. À moins que c'est peut-être le poulailler ça. Oh non. De toute façon, on va le savoir, hein, c'est ici. Voilà, la jolie, là, vous avez des bâtiments, des silos. Hein. Pourquoi ranger? De toute façon, on verra plus tard hein, si c'est un poulailler ou pas. Ici, c'est quoi une autre étable. C'était une autre étable. Alors, je vois pas trop les symboles. Mais oui, c'était une autre étable. Oh, dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez déjà cette map là. Ah, il y a peut-être un trigger. Il n'y a pas un trigger que j'ai vu. Ouais. Alors c'était les cochons ou les moutons. Alors voilà, déjà cette map là me plaît beaucoup. Hop là, attention. Je saute hein. A voir ouais. A voir. Sinon c'est pas compliqué, on va aller sur la map. Et puis je vais appuyer dessus là. Ouais, c'est les moutons, c'est ce que je disais, les moutons. Les moutons, d'accord. Vous avez le poulailler. Alors, le poulailler, je voudrais bien voir où qu'il est, quand même. Bon, c'est station de service. C'est station de service que je veux. Si, c'est station de service. Pâturage à vache, d'accord. Mais là, ici, les amis... Bon, bah y'a un problème. Ah, par contre, vous avez des champs. Hein. 44, j'avais dit.
Alors, je trouve ça joli. Alors là, c'est quoi? Issue agricole. Allez, on va y aller. Bah, les issues agricoles sont là. C'est très bien. Très joli. Alors maintenant, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir le biogaz, hein, si vous voulez. Alors le biogaz, bon déjà là on arrive là. Un petit, hein, c'est un petit biogaz quand même. Vous avez deux grands silos. Alors, on peut regarder en mode aérienne. Maintenant vous connaissez le mode aérienne. Hein. Voilà, très joli. Alors c'est une map qui a assez... qui a des grands champs. Hein. Qui est assez ballonné aussi, hein. Attention. Oula, quand je vois ça là, ça monte et ça descend. Hein. Ici, vous avez des, pareil, des stockages. Ouais. Avec, ouais, avec la, avec un sacré étang, ouais. Avec une petite plage. Il y a quoi faire? Oh, il y a même du camping. Y a quoi camper là, si vous voulez. Ouais, je trouve ça sympa. Vous avez un grand bateau au fond là-bas, je peux pas y aller, c'est le décor. Hein. Alors, dites-moi toujours un petit commentaire hein, si ça vous plaît. On voit des bateaux dans le fond là-bas. Vous avez des super champs. Allez, beau. Une petite église là qui est assez sympa. Le yard, ouais. Petite église, hein. Sa petite ville. On a peut-être un stockage ici là, non? Ouais, il y a un genre de petit stockage. Vous avez même une deuxième église là-bas. Oh, vous avez même la plage. Ah, vous avez une belle petite plage. On est au bord de mer. Ah oui, c'est magnifique, ça change un peu. Ah ouais, c'est une petite map qui me plaît bien quand même. On va aller voir au niveau des chevaux là-bas. Alors, au niveau des chevaux, on est ici, on va rendre sa visite, voilà, on est dans l'enclos à chevaux. En plus, face vue mer, hein. Très bien. Oh, c'est magnifique. Vous avez même un genre de circuit pour les chevaux. On va enlever la carte parce qu'elle me gêne. On va mettre... Oh, on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, un centre équestre. Voilà, vous avez un joli centre équestre qui est assez sympa avec son beau bâtiment. Alors j'espère qu'il y a un... On appelle ça un manège avec les box. Ah oui. Et non, dommage parce que l'habitude ils mettent un manège, c'est un. C'est un genre de piste comme un cirque, hein, et puis les chevaux tourneront pour bah, ceux qui sont dans l'équitation de se voir. C'est pour apprendre à mettre au galop ou faire d'autres choses. Bon voilà, jolie, ouais, jolie petite arras. Hein. Ah ouais, je trouve ça superbe. Alors maintenant, je me trouve au magasin. Bon, le magasin, c'est simple. Hein. Assez simple, le magasin, dommage. Ouais, il manque un peu plus de détails. Bon, il y a un grand parking, c'est sûr. Vous pouvez acheter, hein. Mais il y a une montgolfière qui est là-bas. Très jolie. Mais ouais, le magasin, je suis un peu déçu. Bon, là, on est chez le voisin, hein. On va se ranguer. Voilà le magasin.
Alors, on a les cochons qui sont un petit peu plus loin. Je trouve ça un petit peu dommage. On va aller voir. L'enclos cochon. Bon, bah, ça, par contre, c'est un enclos cochon. Hein. Bien dégueulasse. Plein de boue. Ouais, je pense que je peux faire une petite série là-dessus. Elle me plaît bien, cette ferme-là. Alors, mettez un commentaire si vous jouez avec, déjà. Ah, puis là, on a une super vue. Oh, on a une belle vue. Ah ouais. Alors, je pense mon petit frère Roux jumeau va mettre un petit commentaire pour savoir si ça lui plaît. Franchement, on a un petit parking là. On va aller voir Peterville Factory pour voir ce qui se cache au niveau des lettres. Alors je sais pas c'est quoi les lettres, le S, vous avez S, F, A, F. Ah bah ils nous disent, je suis bête. F forêt, S point et A animal. Bon d'accord, c'est marqué, hein. Alors nous on avait dit, on les voit. Peterville à côté de la Syrie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a créé une fabrique de bois. Hein. Alors, beau bâtiment déjà. Peut-être ici c'est pour mettre les grains. On avait un petit camion. Oh là bah, lui il a des problèmes de roue. Là. Vous avez deux beaux camions. Ah ouais, deux beaux camions. Un beau camion DAF. On va peut-être mettre en 3D. Ça me plaît beaucoup ici. Ah oui, c'est vrai, on revient dessus. Alors, on est sommes arrivés à la vue aérienne de Peterville. Factory. Bah, c'est à côté des campings avec la plage. Hein. Alors, pareil, hein. Alors ça c'est quand même ballonné. C'est vrai que là il faut attendre d'avoir des tracteurs assez puissants pour tracter nos engins. Alors bah voilà les amis si ça vous plaît. Alors je pense qu'on a tout vu, on va regarder un petit peu la carte quand même. Alors les amis on a fait un petit tour de cette map. Hein. Peterville, bon bah je trouve ça assez intéressant. Dites-moi si ou si ça vous intéresse. Bon bah pour des amateurs de grands champs et de petits champs, il y a tout ce que vous voulez. Deux beaux, un grand étang et la mer. Hein. Je pense que c'est la mer ou un grand étang. On va finir vite fait sur la grange. J'ai pas été au niveau de la filature. Voilà, au niveau de la filature, voilà, petit bâtiment. C'est pour ramener tout ce qui est coton, je pense. Il y a quoi faire une petite série là-dessus. Je verrai prochainement si, avec mon frère jumeau, on peut faire une petite série là-dessus. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis, ben, je vous laisse là-dessus. Allez, à la prochaine.